Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bien évidemment Sunijin qui vous parle et il est en train de jouer et en même temps il vous parle et oui deux choses en même temps comme quoi pour la signification de dire que l'être humain est capable bien de réaliser deux choses en même temps c'est possible, est-ce que c'est aussi bien que ça, ça j'en sais rien mais en tout cas on va venir survoir ce match entre Saint-Etienne et le Paris SG. Vous pouvez voir bien sûr, si vous avez envie de savoir les raisons des compositions d'équipe, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans l'avant-match, match of the days, avant-match à Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, match de Coupe de la Ligue, donc ça veut dire que ce sera un match qui sera élimination directe. S'il n'y a pas de vainqueur au bout des 90 minutes, il y aura la séance dans la prolongation de la séance des pénalties. Donc, eh bien, vous avez, donc, on va commencer déjà avec Saint-Etienne, j'en ai déjà parlé, donc le retour de Bayalsal, Jérémy Clément, que j'ai remplacé par Renaud Coad, et Monet Paquet, qui prend la place de Johan Molo. Du côté du Paris Saint-Germain, j'ai fait tourner, et oui, j'ai fait tourner par rapport à, pour jouer le jeu, bien sûr, hein, et donc, on a Marquinhos sur le côté droit, on peut signaler aussi que j'ai décidé de mettre David Luiz au poste de milieu récupérateur en tant que sentinelle, Verratti Matuidi, et enfin Jean-Marc Baybeck, qui remplace Javier Pastore. Allez, c'est parti maintenant. Pour information, suite à la défaite contre le Sporting Club de Bastia, j'ai pris la décision de rehausser le niveau de difficulté de manière à ce que ben, le Paris Saint-Germain souffre un peu plus que d'habitude. C'est normal. Le PSG est en difficulté en saison. Il est normal donc que je joue le jeu par rapport à ça. Alors bien évidemment, si vous vous doutez bien que c'est la première fois que je joue dans ce niveau de difficulté, donc on va voir bien évidemment si j'y arrive. Ah, déjà on commence bien. On fait une petite touche. On va laisser Lucas Digne se reposer, enfin se replacer. Ah, c'est bien, Soumana Camara, Romain Camara qui doit tout de suite revenir. On va faire un truc en retrait. Voilà, ça pour Thiago Silva. On va donner ça à Lucas Digne. Ouais, c'est un peu bouché sur ce côté. On va essayer de donner ça à Soumana Camara qui va directement donner à Marco Verratti, l'italien. Comme bizarre que Verratti ne soit pas encore titulaire depuis le début de la saison. Alors on parlait d'une blessure. Est-ce que c'est le cas ou non, j'en sais rien, mais. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Le pack engine qui m'a empêché de pouvoir bien donner le ballon à Zlatan Ibrahimovic. Vous avez pu voir que bien sûr il y a toujours les écartés, les bannis. Alors il faut savoir que dans ce jeu, Ezequiel Avezzi n'est pas représenté. On ne me demandait pas pourquoi, j'en sais rien. Mais il n'est pas représenté. Bon, attention. Ouais, c'est bon, Marquinhos qui a récupéré le ballon. On va essayer de faire un long ballon pour Lucas. Oh, ça c'est bien ça. Ah, dommage, le contrôle est un petit peu foireux. Ah, le contrôle était un petit peu fort. Oh, attention! J'ai bien. Oh, enfin, ça a failli. J'ai failli prendre le ballon à Stéphane Ruffier. Oh, attention là! Stéphane Ruffier qui avait fait une énorme bombe, on rappelle, hein, c'était lors de la cinquième journée du championnat. Oh, attention quand même. Ouais, faut que je fasse attention parce que, en fait, quand dans le mode difficulté, j'ai pu me rendre compte, en fait, ils sont beaucoup plus agressifs. Allez, c'est parti. Thiago Silva. Thiago Silva qui donne pour Blaise Matuidi. C'est bien ça pour Baybeck. Baybeck qui baisse. Je suis un peu enfermé là. Ah, Zlatan Ibrahimovic qui a tendance un peu à beaucoup décrocher. Ah, David Luiz, lui qui est parti dans ce, un peu plus haut. Attention! Ah, c'est bon. Allez, on donne le ballon à Lucas Digne. Ah, c'est vrai que j'ai mis un droitier. C'est vrai que c'est pas non plus la meilleure idée que j'ai eue. Moi ce que je souhaite en fait c'est d'avoir un joueur beaucoup dans la profondeur. Oh joli. Allez prendre notre temps. Centre. Allez la tête. Ah Lucas qui est pas très très bon de la tête malheureusement. Pas les stats. Ouais oh. Allez Pack Engine malheureusement. Allez Pack Engine pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait c'est les personnages en fait qui se... En fait si vous avez un adversaire qui est assez imposant par exemple. Ce qui se passe c'est que l'adversaire va peut-être vous mettre un gros coup et vous allez décoller. C'est exactement ça, l'Ipak Engine, en fait. C'est tout simplement ça qu'on tenait à expliquer. Ok, il est pas loin de se faire. Faire attention quand même parce que. Là, ils sont en train de se tâter. Attention, j'ai un peu lancé un peu à la porte. J'aurais dû bien relancer, c'est un peu ma faute là. Attention. Ouais, pour l'instant, là, défensivement, ça va, ça tient la route. Tout défensivement que je tiens à bien faire. Pour ça, je relance plutôt doucement. Oui. Ah dommage.
Vous avez pu me rendre compte depuis quelques minutes, hein, mon jeu est beaucoup basé sur les couloirs. J'ai tendance à beaucoup apprendre les couloirs, contrairement à l'équipe, d'ailleurs l'équipe du PSG, de Zlatan Ibrahimovic, qui n'est pas parti sur... Il est parti sans prévenir. Oh, je pensais qu'il allait l'avoir, dommage. C'est pas grave. Je recule un peu, je vais laisser Lucas Digne. C'est bon ça. Il a eu un peu de difficulté. Remontez les garçons, remontez. Remontez. C'est dommage. Ça va aller, ça va aller. Non, 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 non. Petit cafouillage là, c'est... attention. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Est-ce que je vais pouvoir le donner à... Ah mais non. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, bah oui, tu fais la même tête que moi, bah oui, hein. C'est pas ce que je voulais faire. D'ailleurs, donnez-moi votre avis, hein. Si vous préférez que je commente pas, vous me donnez votre avis. On m'a donné quelques petits avis, on m'a dit, ça serait... ça serait bien que tu commentes. Donc moi, à ce moment-là, bah, j'ai pris au mot, hein. Je l'ai commenté. Mais après, si vous préférez que je me taise, bah écoutez... On verra un petit peu la tendance. Oh, merde. Zut. Ah, ça va être contré ça. Pour l'instant ça va, on n'a pas eu d'occasion franche, mais attention quand même. Attention. Bien joué. On va prendre, pour l'instant on est solide. On n'est pas... C'est... Moi c'est vraiment une crainte par rapport au match de ce soir. C'est vrai que il y a une possibilité pour que le PSG prenne une valise. Il faut centrer maintenant. Le centre est un peu mal fait. Allez, vas-y, centre, frappe, frappe. Oh, but. But de Zlatan Ibrahimovic. Ah, ça fait plaisir. Après, vous voyez les couloirs, ça aide. Hein. Alors, regardez quand même, là, j'ai bien la présence d'esprit de... Je sais pas si c'est... ouais, c'est moi qui donne le ballon. Sous le casque, il réussit à sauter plus haut que les autres. 1-0. Bon bah faut tenir maintenant, hein. Enfin faut tenir, faut surtout essayer de soit marquer le deuxième but. En tout cas, oh, attention, Ronald Koeman qui nous fait une Cristiano Ronaldo. Ah, pour information, Cristiano Ronaldo qui est le nouveau ballon d'or, félicitations à lui. Attention, faut y aller, les gars, faut sauter. C'est bon, allez, c'est bon. Bye back. On va attendre que Zlatan revienne parce que Zlatan je l'ai envoyé un peu dans le casse-pipe là. Oh si, si, c'est bon ça, c'est bon, vas-y, ouais, c'est bien, allez Belaise. Ah, Zlatan qui est encore un peu loin. Il est au centre. Ah, c'est dommage. Allez, saute, tac, la tête. Ah, c'est dommage, ça a été un peu approximatif là. Ah, il a fait une tête un peu en espérant que ça. Soit ça passe, soit ça casse. Comme on... Attention quand même, là, ils sont en mode contre. Que quelqu'un serait. Ça serait bien qu'il y ait un pressing. Non, attention, il a. Ah, le problème, c'est que le pressing a été mal exécuté. Et attention, le poteau. C'est bon. Ah, j'ai mal joué mon coup là. C'est bien. On va partir en contre. Allez, hop de Lucas. Allez, Lucas. Lucas qui va essayer de déborder sur le côté. Ouais, c'est bon, j'obtiens la touche. On va dire que le poteau m'a sauvé la mise, hein, quand même. On va attendre que tout le monde sort place. De toute façon, c'est pas comme si j'étais pressé. Hein. Je sais pas si je peux avoir des cartons pour si je prends mon temps. Je sais pas. Allez, Zlatan. Ah, ça aurait pu. Faut que j'arrive à vraiment. Je joue peu. Je joue assez peu à FIFA, enfin je jouais pas à FIFA depuis quelques temps. J'ai joué comme ça, vous savez, quand je vais chez la fête des potes, etc. Mais je voulais faire un truc comme ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Wow, bien Lucas. Allez Lucas, allez Lucas, allez Lucas, allez. Ah, et faute. Oh, il m'a attrapé, il m'a tiré le maillot, il m'a tout fait là. Je suis pas repos. C'est pas grave. De toute façon, je sais que je vais subir un peu, donc il faut que je fasse très attention. Il y a une technique, bien sûr, quand on... Oh, bon, bah là, par contre, là, c'est pas la technique. Il y a une technique simple, hein, quand vous menez au score, c'est de faire tourner derrière. Hein. Vous allez voir, votre IA va complètement péter un câble et... Attention, faut pas se jeter. Eh, oh, l'autre côté, il y avait faute aussi. Attention. Mon avis, il va faire un système avec un mur et tout. Oh, le vilain. Oh, le vilain, je l'avais pas vu venir, celui-là. Attention! Oh putain, je l'avais pas vu venir, je pensais qu'il allait tirer, directement. C'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai tout visé sur le mur, putain, l'enfoiré! L'enfoiré! Il m'a bien eu cet enfoiré! Hein. Bon, Louchet, c'est pas mal hein, quand même. Ouais, hein. Oh, ça vraiment, c'est bon, là on l'a bien repoussé. Oula, eh, je fais n'importe quoi là! Oh, attention! C'est pour mon problème, c'est bon. Eh, Louchet qui détourne, hein, Louchet des points.
Ouais, je fais n'importe quoi, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut que je me concentre un peu là. Je fais n'importe quoi, allez. Il faut que je me concentre là, je fais n'importe quoi. Il faut que je plus que je sois dans. Ah putain, je suis enfin n'importe quoi. C'est bon, on va pouvoir souffler. Reposons-nous. Là, j'étais un peu en panique. On va reposer le ballon. Essayer de. Et voilà, encore une fois, je perds un ballon bêtement. Ça va aller. Il faut que je fasse très attention. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bien ça. Ah putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est un peu de risqué ce qu'il nous a fait la Duchesse. Ça c'est bien. Duchesse qui est un peu vert aussi. Ça c'est chiant parce que si jamais il sort, je sais pas du tout si c'est un Stéphanois. Donc je risque volontairement. Il a pas le maillot le plus adéquat pour s'il y a vraiment un gros bordel. Je suis incapable de savoir si c'est. S'il prend le ballon des pieds et qu'il y a des Stéphanois autour, je suis incapable de savoir si c'est lui. Hein. Pas y arriver là, il y a quelqu'un autour de moi. Il ne prend pas de risque, il sort. Ah, j'ai un peu. Pardon. Bon, l'expérience, ça se crée des occasions, mais c'est moi qui les donne tout seul. Mais. Voilà. Alors, on va pas beaucoup. On va pas non plus faire énormément de choses. Hein. On va pas. Mais. Allez, ballon en profondeur, c'est mon problème. C'est bon, c'est ça. Allez! Il se fait gêner par le Stéphanois, malheureusement. Oh! Oh oui! Oh! La tête! Ah, oh, dommage! Pardon! Oh, la tête qui était belle! En retrait! Vas-y! C'est bien, David! Allez! Reste, garde pas le ballon! Au hors-jeu! Non, par jeu! Oh, hors-jeu, alors! Bon, allez, petite touche! C'est bien, on a deux occasions franches! C'est bien ça! Allez, faut centrer! Il a pas centré comme je le voulais, cet enfoiré, il a eu un contrôle des hasards de. Allez, mais pourquoi il a pas sauté ce coup? Allez. Oula, attention. Non, c'est bon. Bon, il y avait quand même du beau monde. Ça va, il était quand même dans une position assez complexe. Oh putain, je fais quoi là? Pas les cons les gars, c'est bon. Ah, je crois qu'il y avait peine. Allez, c'est bon. Bon, on a 1-0, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. C'est pas non plus la sécurité sociale, mais on va dire qu'on est assez réaliste. Signe de fébrilité. Et l'adversaire en a profité tout naturellement. Bon, est-ce que je garde la compo? Ouais, je vais garder ça, y a pas de problème. Allez, on reprend le match. Que je fasse une stratégie un peu plus défensive parce que c'est vrai que pour l'instant c'est un peu équilibré, donc équilibré c'est en fonction de, c'est pas plus attaquant que défenseur, donc voilà. Hop. Ouais, oh c'est rien là, oh. Moi je rigole, hein, je suis mauvaise foi, un peu poussé. Allez. Allez, non, bah à chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'ils me prennent dans la profondeur. Regardez, c'est tellement facile. Fin de match, oui, Franck Sauzé. On était en fin de match, à un moment donné, ça serait pas ça. Ah, il y a eu des erreurs de ma part, malheureusement. Allez, Lucas. Allez, pousse.
tellement facile, même moi je l'ai. Mais dites, vous êtes pas des chamallows les Parisiens, vous tombez pas tout seul. Allez, allez, faut pousser. Si peu, oui. Le problème c'est qu'il est tout seul. Si, reste pas. Frappe. Il y a eu des contres de favorables là, il y a eu ça à la paume, le ballon voilà, il rebondit sur lui. Allez, on va y arriver. Allez. Oh, dommage. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Putain. Comment il fait pour courir plus vite que Lucas? Lucas, c'est une fusée humaine. Allez les gars, non, voilà, c'est bon. Ah, il y a des fois où je fais, en fait, il y a des moments où je panique, et quand je panique, alors là, c'est fini. Zlatan qui va jouer sur le côté droit. Oh, j'ai failli. Ah, j'ai failli aussi. Bon, moi, il y aura une touche. Bon, c'est dommage, hein. Ah, Yoann Molo. C'est vrai que j'aurais pu jouer sur les. Quand même. Je vais laisser les deux défenseurs parce que on sait jamais. Ce serait bien quand même que les défenseurs aillent dessus, ce serait sympa, hein. On sait jamais. Là-dessus. Non mais non, encore une fois. C'est bon. Elle est long ballon, c'est un truc de ouf. Ça se joue à rien. Oh joli. Ah dommage. Ce serait bien que Lucas revienne sur son côté, ça serait bien. C'est bien. Il y a des fois où j'arrive quand même à bien me débrouiller, mais il y a des fois où je fais n'importe quoi. Faut le dire. Je suis pas encore adapté à ce niveau de difficulté. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est comme bizarre que Baybeck. Je sais pas si. Est-ce que j'aurais fait une erreur avec Zlatan? Non, je pense pas. Zlatan. Doucement. Allez, Luc. Monte! Putain, Lucas, il vient d'attendre! Monte! Putain! Ok, super. Non, pitié, qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie, le con, quel con je peux être! Bien.
qui est inarrêtable. Bah, il y a le sale pour l'instant, on ne peut pas le passer. Bon, ça a l'air de mieux se calmer. Désolé si j'insulte toute la planète, hein, c'est mon tempérament qui veut ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est mon côté compétiteur, si vous voulez. Alors, je voulais passer ça à Marquinhos, mais c'est pas grave, hein, Marquinhos. Bon, finalement, David Luiz, dans ce poste-là, il est plus à l'aise. Hein. Je sais pas vous, mais... Lucas, là, il va être un peu... Pareil qu'il y a un truc qui doit être évité, je sais pas. Bien, Lucas, c'est bien. Enfin, je me dis bien à moi-même, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Il n'y a pas vraiment une domination, Stéphane. Enfin, une domination. On voit que les Stéphanois ont le ballon, mais ça va. En fait, l'IA a compris que je passais sur les côtés. On voit d'ailleurs, j'arrive plus à passer sur un côté, là. C'est fini. Faut que j'arrive à passer dans l'axe à ce moment-là. Parce que j'ai tendance à passer beaucoup sur les côtés parce que voilà, c'est mon style de jeu qui veut ça. Moi je considère, voilà. Mais... Ah, dommage. Attention. C'est bien ça. Oh non, 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 non. Hors jeu, hors jeu. Parce qu'il y avait du monde autour de lui. Ah, Zlatan il touche plus un ballon, c'est malheureux mais c'est comme ça hein. C'est vrai que c'est dur, c'est dur pour le pauvre Zlatan Ibrahimovic. Je vais pas lui dire que je lui rends honneur là, en ce moment. D'un côté je joue pas très bien. Reste là, reste là, bouge pas, bouge pas, bouge pas. On va dire quand même que je me débrouille pas si mal que ça. Un partout toujours, 77ème minute. Je pensais vraiment prendre une valise avec le niveau de difficulté que j'ai mis. Ah, dommage, trop long, pas assez haut. Attention, attention, là, je me jette un peu. Bien. Ouais, défi au milieu de terrain, ça c'est faut le dire. Attention. Ah c'est bien. Je vais quand même faire quelques petits remplacements parce que là je crois que mes joueurs ça y est c'est mort, hein, c'est fini. Faut dire que je les fais courir beaucoup, c'est très difficile, mon style de jeu est pas. Je vais prendre David Luiz, je vais le remplacer par Thiago Motta. Et parce que là il y en peut plus et Camara, peut-être que je vais prendre Camara, je vais le mettre là et je vais remplacer ça par Vanderbilt, comme ça à la limite ça me fait deux remplacements. C'est bien vu, hein, de la part du gardien. Attention, eh oh. Voilà, on va espérer que ça se passe bien. Quand même, 25, 4, il reste 5 minutes, je suis encore là, je suis encore en vie. Alors que voilà, franchement. Vas-y. Ah, dommage. Dans notre jeu.
Ça va un peu mieux de fin de saison. Si j'arrive à marquer là. Le centre était un peu. Ouais, le centre était un peu. Je le sentais pas ce centre et malheureusement ça c'est. Je déteste avoir raison. Sauf quand j'ai tort. Enfin. Je déteste. Allez. Ah, c'est Thiago Silva. Je pensais que c'était l'autre qui l'avait. Bon, autant pour moi. Bien sûr, il y a un tirage de maillot, il était exceptionnel. Allez, 89e. Je sais pas si je suis pas. Ah, je me suis pas perdu. J'ai pas eu beaucoup d'occasions en fait contre moi. Ouais, je la sentais pas en fait cette frappe. Oh, putain. Ça passait, hein. C'était possible. Hein. J'aurais pu lui prendre la jambe, là je prenais un rouge, je crois. Oh non! Pote hors jeu. Puis ce but, il était sublime. Ah, dommage. Bon, bah, je pense qu'il y aura les prolongations. Sachant que je n'ai jamais fait une séance de penalty, c'est bien. Ça va être magnifique. Enfin, il y aura les prolongations déjà. Putain, t'es beau là, la reprise de Thiago Motta. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Allez. Frappe-toi. Ah, merde. Manque un peu de force. Dommage. J'aurais peut-être dû la mettre à la rabattre dans l'axe. Bon bah prolongation hein. Finalement bon ça va, j'ai pas eu on va dire c'est quelques petits moments de flottement, mais à part ça on va dire que c'était pas si mal que ça. Bon, pas perdre de temps hein. Ah, il y a cette tête de. Ça c'est bien. Par contre c'est. Voilà, ça par contre on peut dire que j'ai eu chaud aux fesses, hein, comme on dit. Hein. Ah, il y a cette tête là aussi. Là je fais une erreur monumentale parce que regardez ce que je fais. J'essaye de l'attraper de la tête. Et elle passe dessus. Là, juste après il y a un partout. Il n'a pas mis la red zat. Hein. Bon, c'est pas grave. Oh, il y a quand même plus de tirs cadrés du coup. Alors classique, classique. Ah j'avais oublié qu'il fallait bien préciser parce que c'est vrai qu'il précise aussi le but en or, mais il n'y a pas de but en or en Coupe de la Ligue. Il n'y a plus de but en or, hein. C'est quoi dans FIFA qu'on a des buts en or en fait. Le but en or, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est en fait, c'était. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Je vous parle avec vous. En fait, celui qui marquait en premier gagnait le match. Ça a été retiré, je crois, parce que. C'était un peu déloyal que l'équipe qui marquait. Et bah, en fait, ça gâchait un peu le jeu aussi. Mais je t'imagine, tu joues à 10 derrière parce que t'as peur de prendre un but. Et donc finalement, le but en or. Après, il y a eu le but en argent. C'est-à-dire que première mi-temps prend un but, c'est pas grave. Mais après c'était pas non plus loyal, etc. Donc ils ont décidé d'annuler un peu tout ça. Ça c'est bien ça. Kali, il faut pousser. Allez pousser mon petit. Allez mon petit Lucas. Oh ah pas mal. Ah il frappe. Hop. Vas-y. Vas-y pas. Non, dommage. Moi on a une occasion, c'est bien. Le bon ballon. Faut dire aussi que mon équipe elle est pas. Je suis pas non plus. C'est bizarre d'ailleurs hein, depuis que j'ai mis Vanderville et Tagou. Wow joli. Vas-y centre. Ah un peu trop court. Hein. Faut pas le laisser tout seul les enfants, sinon vous allez vous prendre un but. Hein. Hein, on peut faire les marquages et tout ça normalement à un moment. Normalement, si on joue vraiment, tu peux faire les marquages et choses comme ça, les dispositifs. Mais là, moi, je vais pas prendre la tête à part tous les marquages à chaque fois pour chaque rencontre. Ça me prendrait trop de temps, ça serait trop fatigant. Moi, je pars du principe, voilà, je fais ça comme ça pour m'amuser. On est là pour s'amuser. Oh putain, si elle frappe, elle rentre, c'est pareil. Non, mais c'est vrai que si jamais, par le plus grand des hasards, je sais pas,
Ils étaient vraiment une saison. Ah, contrôle loupé. Ah non, non, c'est le Stéphanois qui l'a mise. C'est pour ça d'ailleurs, hein, c'est vraiment pour rigoler un bon coup. Et ceux qui se commenceraient à m'insulter parce que bon, j'aurais très mal, je tiens juste à leur dire bah, moi je suis là pour m'amuser. Je suis là pour passer du bon temps. Allez, frappe. Oh, dommage, j'aurais dû contrôler. Mais en tout cas, j'ai des occasions, ça c'est bien. Il faut le reconnaître. La tête. Allez, frappe dans la balle. Frappe. Ah putain, il y a un Stéphanois. Toujours un mec tout vert. Ah, je pensais l'avoir. Je me suis fait avoir là, j'ai voulu jouer le con. Retrait, retrait, retrait. Faire attention parce que j'ai tapé une touche, mais je suis révisé derrière. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu but. Alors, on va quand même faire le dernier changement. Putain, ils sont crevés. Je vais quand même faire le dernier changement. Qu'est-ce que j'ai comme. On va remplacer Pastore avec Baybeck. Avec un peu de chance, et ça peut passer. Comme on le dit, quand on sera malentendu, hein, ça peut passer. Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va se terminer au tir au but. C'est bien ça. Allez, 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 Lucas. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Ah, Lucas qui est aux prises avec l'autre. Ah, dommage. En général, d'ailleurs, je constate un truc. Quand tu es en duel avec un joueur, c'est souvent le défenseur qui est juste à côté qui suit. Sifflet là. Ah, je croyais qu'il y avait un sifflet, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer, je me suis dit bon bah voilà, il y a eu un sifflet, bon bah écoute, c'est pas grave. Putain, je croyais qu'il y avait vraiment, il y avait eu un sifflet. Ah merde, fais attention. Derrière. C'est là. Je pense que là il va y avoir les Pastore. Pastore, t'es neuf toi. C'est vraiment dommage que l'Avedi ne soit pas, on va dire. Que l'Avedi ne soit pas dans le. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi l'Avedi n'y est pas. Parce que c'est mon. Je crois que c'est mon jeu hein, qui pose problème. Ah bah tiens, 11 tirs cadrés. On voit comme quoi. Certainement ça doit être moi. Hein, ça doit être moi qui a dû avoir un souci. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas l'Avedi dans mon équipe. Pas du tout, mais dans la base de données de FIFA 14, je l'ai pas du tout. Alors après, d'où ça vient, je ne sais pas. Je suis allé dans les forums, ils n'ont pas l'air d'être plus tilté que ça. J'ai encore me refaire un remake de la deuxième mi-temps, moi je le sens. Sauf qu'il y a un partout, il n'y a pas un zéro là. Ouais, il y a eu une élongation, je sais pas qui c'est. Ah non, c'est peut-être prolongation qui. En fait, moi comme j'entends pas très bien ce que je dis, puisque je parle en même temps. Là, Van Fon machin est parti là donc. Allez, allez, va dessus, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, ça c'est bien, vas-y, va dessus, 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 va dessus. Allez, 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 ah, ah, ça dure, oh c'est dur, oh c'est dur, oh bah, y'a rien à dire. Y'a rien à dire, j'ai pas allé dessus. Décidément, j'arrivais pas. Allez, elle est belle la frappe. Elle est très très belle, malheureusement je vais pas dessus et là c'est tu te fais sanctionner. Bon bah 2-1 pour Saint-Etienne hein, malheureusement. Bon bah j'ai quand même bien tenu, c'est quand même une nouvelle de la journée. Allez Lucas, on va essayer d'égaliser. C'est évident qu'ils vont serrer un max. Ah Pastore. On voit quand même la différence entre les niveaux de difficulté. Je suis quand même
pas été ridicule. Moi, je suis content, je n'ai pas été aussi ridicule que j'aurais pu l'être. Pas mal de tension. Je sais que mes joueurs sont un peu fatigués. Mais non plus, c'est pas la grande fois. Après, faut dire une chose, c'est que le dispositif 4-3, enfin, que j'essaie de voir comment le rendre plus parisien, parce que logiquement, en fait, Zlatan a tendance à plus décrocher. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un système. En fait, c'est un faux numéro 9, en fait, Zlatan. Il a tendance à être en pointe, mais aussi, il va beaucoup dans la profondeur. Il faudrait que je vois un peu où est-ce que je peux trouver le dispositif qui s'y ressemble le plus. Parce que là, pour l'instant, Zlatan, il décroche pas. Il décroche pas du tout. Et aussi pour Lucas, et pour les deux, parce que les deux en fait sont collés au couloir. Alors ça c'est bien, c'est ce que je veux. C'est pas du tout comment le PSG joue. Par contre là il faudrait que je regarde pour reconnaître une chose. J'en ai un qui est bobo, j'en ai un qui est blessé. Merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas c'est quoi, je sais pas ce qu'il a. De la fatigue, hein. C'est vrai que des fois, moi quand j'ai joué à... Quand je joue des fois et quand c'est un peu trop fatigué... Bon bah c'est mort. Bon, je me suis bien débrouillé quand même, faut le dire. Parce que les gens pourront... Ouais, voilà, c'est fini. Bon, je me suis bien débrouillé, faut quand même le dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire oh, t'as perdu. Oui, j'ai perdu, mais en tout cas, je me suis créé des occasions. Bon bah 2-1 pour Saint-Etienne. On va espérer que les choses se passent pour le mieux la prochaine fois. Après, j'ai manqué beaucoup d'occasions, hein, faut quand même le reconnaître. Va falloir que je fasse plus attention la prochaine fois, comme on dit. Bon ben voilà, ça a été le premier match de la situation. On peut voir les stats d'ailleurs, regardez. 11 tirs cadrés, 13 tirs cadrés, 7 cadrés, 11 tirs, 10 tirs cadrés, donc possession de balle à peu près logique. 2 fautes, pas de carton, 3 hors-jeu, 3 corners, précision, des tirs 90, ok. On va regarder un peu les notes. Bon voilà, bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas bien évidemment à aller regarder les différentes choses que j'ai mises un peu partout. Si ça vous plaît que je parle, parce que c'est vrai peut-être qu'il y a des gens qui disent ouais, tais-toi, on aimerait suivre le match, ça peut, je peux le comprendre. Donc n'hésitez pas, vous me dites voilà, j'aimerais que tu arrêtes de parler, j'aimerais que tu... Parce que voilà, moi j'aimerais avoir votre avis, et si jamais ça vous déplaît, bah... J'arrêterai de parler, je ferai simplement que le match. Vous avez deux versions, la version je parle pas, la version je parle. Il y aura une troisième version que je vais faire également, c'est la version ordinateur. C'est-à-dire que je vais mettre deux ordinateurs s'affronter et moi je commenterai dessus. À vous de voir laquelle vous plaît le plus et après vous me dites ce que vous en pensez. Allez, je rappelle Saint-Etienne PSG, c'est ce soir. Donc ceux des supporters stéphanois, les supporters parisiens, bonne chance à vous. Bon, vous gagnez pour FIFA. C'est avec Bastia, on avait gagné, donc voilà. Et bien évidemment, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et... Bon match à tous! Allez, ciao!